alerter, commandant. On va voir si Alcée peut apprendre à parler le gardien. Je vous ferai un bref topo en arrivant sur Sangelios. Rendez-vous sur place. Donc, tu as rédigé un rapport sur l'arbiteur quand tu étais à l'ONI? C'était il y a 6 ans. Où veux-tu en venir? Tu as demandé à ce qu'on l'assassine. Il avait tué des millions de personnes. Pourquoi tu l'as pas fait? Les choses changent. L'arbiteur est occupé en plein combat. Nous allons vous conduire jusqu'à lui. Locke. La guerre civile fait rage sur la planète, si ça tourne mal. Faites-moi confiance, monsieur. C'est loin d'être ma première mission suicide. Bonne chance, Spartan. L'arbiteur a uni les domaines et forgé une nouvelle alliance, les lames de Sangelios. Les victoires de l'arbiteur et la mort de Julemdama ont poussé les Covenants dans leur dernier retranchement. Ils ont donné l'assaut sur les terres des Vadam, avec l'arbiteur pour cible principale. Et l'arbiteur, il est où? Vous trouverez l'arbiteur dans la salle du Conseil des Anciens. Victoire au clan et au nôtre, Spartan. Maquis terminé. C'est quoi ces bâtiments là-bas? C'est Sonayon, l'antre du gardien. Il va falloir de sacrés renforts pour s'en approcher. On a besoin des lames de Sangelios. Par conséquent, on a besoin de l'arbiteur. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Halo 5, la mission 8, donc l'âme de Sangelios. Comme je vous ai dit précédemment, notre but, c'est de découvrir, hop, le saut fail, de découvrir donc le nouveau gardien pour rejoindre le Spartan 117, de l'activer avec l'astuce de Roland. On va sans plus attendre attaquer donc notre aventure sur la planète Sangeli, la planète des élites, comme je vous l'ai dit précédemment. Et toujours donc dans le feu de l'action. La planète est actuellement en pleine guerre, c'est-à-dire que les Covenants sont attaqués par les équipes de l'arbiteur. Pardon. Donc l'arbiteur lui revendique donc la liberté des élites et l'alliance Covenant, bah, bien sûr, ne se laisse pas faire. Là, les Covenants sont en train de mener des attaques plus que forger sur l'arbiteur pour le tuer et supprimer donc tout son bataillon et tous les espoirs des élites d'être un jour libre. Donc bien sûr il y a des élites qui ont été repenties, enfin qui sont repenties pardon, qui sont dans le camp adverse, donc qui ont eux dans leur tête la frénésie des Covenants et leur folie du grand voyage, qui consiste carrément à activer tous les halos. Ce qu'on a précédemment quasiment supprimé, étant donné qu'on a quasiment détruit tous les halos et surtout toutes leurs bases de lancement. Donc là, on est sur, comme je vous disais, sur d'autres épisodes, toujours le plaisir de changer de décor. Là, vous voyez, on est carrément sur un décor complètement différent des Forerunners. On est vraiment sur des anciens
des anciennes ruines qui ont été forgées par les élites. Donc c'est pour ça qu'on voit certaines structures qui sont assez immenses, vu que les élites, bien sûr, font quand même 2m50. Hein, c'est pas des petits joueurs. Eux, quand ils font des enfants, ils les font grands. Hop. Voilà, donc nous par contre, on change pas notre tactique, on reste bourrin, on compte sur nos potes pour nous réanimer s'il le faut. Notre objectif, nous, c'est vraiment d'avancer assez rapidement, vu que c'est plus intéressant. Hein. C'est plus intéressant de se dire, on va y aller à la bourrin, tout en ayant un maximum de descriptions, sans oublier trop de passages. Notre but étant quand même de découvrir l'histoire et pas de la switcher. Alors... Je pense que notre objectif est de l'autre côté, mais là j'ai des choses qui je pense... Ah non, bah non, pas du tout. Est-ce que c'est un bac? Mais je vais... j'aimerais bien voir si j'ai pas des choses qui peuvent m'intéresser. Tchac, tchac, tchac. Non, bah en fait c'est par là que je viens, tout simplement. Donc comme je vous l'ai dit, tous les épisodes de Halo seront tirés. Donc j'avais dit, dans, je crois qu'il y a deux ou trois épisodes, que ça faisait deux semaines que j'avais pas fait d'épisode, mais la période malheureusement est beaucoup plus longue lorsque vous regardez cet épisode, étant donné que je n'ai toujours pas de connexion internet. On est actuellement le 22 novembre, pardon, et je n'ai toujours pas de connexion internet, donc je vous fais des vidéos à vide. C'est pour ça, comme je vous dis, pour ce let's play, ce sera à vif. Et je dirais les yeux fermés que je vais le faire, étant donné que je n'aurai pas vos critiques. Ce qui me dérange quand même un peu, j'aurais aimé savoir si ce type de gameplay vous intéresse. Et surtout, si je vous intéresse. Ah punaise, il fait pas semblant, on le supprime. Donc je sais que ma petite femme, ayant regardé mes épisodes, vu qu'elle voulait quand même les regarder avant, les apprécie. Et je dirais c'est... Waouh, pardon. Je dirais que ma femme c'est mon spectateur premier et le plus important. Donc son avis compte plus que tout ce que vous pourrez me donner. Malheureusement pour vous, je ne vivrai pas avec vous toute ma vie. Voilà. Hop, on se fait réanimer. Comme on a dit, on n'hésite pas à foncer en évitant tout de même, hein, de mourir toutes les deux secondes. Donc là on continue notre avancée. Ce qu'on a vu au loin, je pense que c'est la ville élite. Je ne sais pas où est-ce que l'arbiteur est caché. Bon, bah, de toute façon, on va avancer, on le saura à l'avancement. Hein. Ça, c'est quasiment certain, à moins qu'il soit tué avant. Donc j'espère qu'on le trouvera. Ce serait cool de revoir un vieil ami. Donc pour le Portal Lock, pas vraiment un vieil ami, étant donné qu'il voulait l'assassiner. Donc je ne sais pas quel accueil il va lui donner. Dans tous les cas, nous, on sait qu'on va continuer notre mission. Hop. Ah, j'ai envie de l'assassiner, c'est dommage. Bon, nous on est radical, hein. Coup de crosse sur coup de crosse. On va garder le sniper pour les élites pour leur mettre des petites têtes. Ah, je me suis trompé de touche pour tirer. Ok, bon, je me suis trompé de touche pour tirer. J'ai besoin d'aide. Bon, ce serait cool qu'il me réanime. Je dirais pas que j'ai besoin d'eux, mais sous le coup j'ai un peu besoin d'eux. Alors 30%. Wow. Alors on fait pas semblant, c'est sûr, mais eux non plus. Alors l'avantage là, donc avec le sniper, donc, je sais pas comment il est appelé, je me souviens plus de son nom. Je pense que c'est Sniper Covenant tout simplement. Ouais, Sniper Covenant. Le Sniper Covenant est très très puissant. Son seul défaut, son principal défaut, c'est qu'il surcharge. Et derrière, il a quand même assez peu de munitions. C'est ce qui est un peu dommage sur cette arme. Mais bon, on fait avec, hein. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Une petite arme qui me ferait plaisir, que j'ai croisée, que j'ai pas envie de me retrouver à court devant les adversaires. Voilà, on recharge. On se fait un petit stock de munitions. On peut y aller à la bourrin, c'est sûr, mais quand même y aller avec des munitions, c'est minimum. Derrière, on a besoin quand même. Alors par contre, j'ai vu une petite lumière. C'était juste une lumière, tout simplement. Rien de spécifique. Ah, je me disais bien que j'avais vu quelque chose. Voilà. Alors ça, ça fait toujours plaisir.
la petite épée qui a volé où? J'aimerais bien cette épée à énergie. Là. Donc l'épée à énergie, hein, c'est mon petit bijou. Au moins, je sais que je peux rusher les élites d'un coup. Et par contre, eux font la même chose. Ok. Enfin, juste qu'ils évitent de me tirer une grenade. Mon armée, on ne répond plus. Ok, Buck. On ne parlera pas de ton problème de vision et le fait de monter dessus. Hein. Ça a pas l'air de le déranger. Oh, je suis sur la corniche. Il y a une sortie là-haut. On a trouvé mieux que l'épée énergie. On l'a gardé en vue. On détruit juste cette élite. Ah bah il a la même chose. Donc comme ça. Hop. Nous on fait pas dans la demi-mesure, on aide toujours. On rentre dans le tas. Canon à plasma. Donc les kamikazes avant. En 42. En 45. En 39. Quand vous voulez. Ils étaient kamikazes. C'était des chinois. Là c'est des grunts. Hein. Ils font 1m50 les bras levés. Et ils ont des grenades. Chargé à bloc. Donc on reviendra pas nous sur les événements du 13 novembre. C'était le même type. Alors, je vais juste descendre. Par curiosité. Hop. Je vais surcharger mais de toute façon on s'en fiche. On va l'embarquer avec nous. Alors je descends simplement pour voir s'il n'y a pas un petit truc qui pourrait me faire plaisir. S'il n'y a pas un renseignement par hasard. Du coup là, ce qui est... Allez, à plus d'assassinat. L'avantage de ce nouveau Halo, c'est vraiment la possibilité de prendre différents chemins. On peut être très bien passé par les petits endroits là qu'on a vu, qu'on voit un peu partout, où on a des murs qu'on doit exploser. Comme on peut passer en plein milieu des troupes à la barbare. Donc sachant que passer par les petits chemins. On croirait qu'ils ont déjà tué l'arbitre. Si on perd l'arbitre, on aura beaucoup de mal à faire. Qu'ils avaient tué l'arbitre. J'ai commencé à flipper. Je me suis dit, on le verra pas. Mis à part ses obsèques. Ouais, donc comme je vous disais, oui, soit on passait en plein milieu du chemin et là on se tape quasiment tous les ennemis. Et on peut perdre quand même quasiment 5 bonnes minutes à tuer chaque adversaire. Donc en accumulant 5 minutes par-ci par-là, ça peut vite prendre du temps. Et surtout, beaucoup de temps pour accomplir une mission. Ou très bien passer par les petits chemins, contourner les ennemis, tuer les plus importants. Et derrière, être tranquille. Oula, on a des kamikazes dans tous les coins. Ou très bien donc passer derrière les ennemis, tuer les uns plus importants et derrière donc avancer plus facilement. Voilà la salle du conseil des anciens. Maki dit que l'arbitre est là. Bon là il y a pas mal de cadavres, j'espère qu'on a. Voilà. Au moins un qui m'aura pas vu. Je voulais voir s'il y avait quelque chose de spécial, il n'y a rien de spécifique. Rien de spécifique. On va exploser ce petit mur, il y aura peut-être des munitions. Ce serait sympathique d'avoir quelques munitions. Ah parfait. On a gardé le canon, mais on en aurait trouvé d'autres. On va faire un truc. Oh bah parfait, une tourelle. On va canarder à la tourelle. On va y laisser pour plus tard. Donc pour le moment on va les canarder. Bon, la tourelle, ce qui est bien, elle canarde sans surchauffer. Par contre, on n'est pas à l'abri. Hein. C'est quoi ça? On peut exploser comme un bouclier classique. Non, pas du tout. Des chasseurs. Un truc qui me ferait plaisir. Nettoyez la zone, Osiris. Pas, bon, bah tant pis. Alors nous on aura vu les chasseurs, on va essayer de les canarder avant qu'ils nous trouvent. Parce qu'ils font très mal. Hein. Hop, grenade.
Ouais, donc, ouais, c'est... On a quand même fait plus de la moitié du jeu, je pense. Mais graphiquement, je resterai toujours sur c'est le bon. Cul. Hein. Franchement, graphiquement, ils ont vraiment position. Fait du progrès. Bon, ce qui... C'est le feu. Allié en approche. Allié. Ça fait vraiment plaisir de voir à quel point ils ont c'est amélioré... Donc, graphiquement, le jeu... Oh, punaise, bon, c'est vrai. C'est vraiment beau, là, entre-temps, quand je m'arrête, que je joue un peu sur les autres jeux, c'est vrai que ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait une grosse différence, qui est pas négligeable. Comme quand on tâte les petits jeux, bah derrière, on se dit, bah tiens, Halo, ils ont vraiment, vraiment fait de gros progrès. Donc je me suis même fait une réflexion toute con. On va dire qu'il n'y a aucun rapport, même. Mais on a regardé Star Wars, les épisodes 1, 2, 3, et la chose qui me revenait, c'est de voir graphiquement, on avait l'impression en fait d'avoir Halo. même je suis peut-être même un peu vache, je dirais même que Halo est mieux fait que les premiers Star Wars. Bon, enfin que les premiers Star Wars, là c'était le 1, 2, 3, donc ceux qui ont été faits en 2001, de 2001 à 2008, hein, donc c'est pas... c'est les derniers épisodes. Comme vous le savez, Star Wars a été fait à l'envers. On voit d'abord Dark Vador mourir et après on voit Anakin Skywalker devenir Dark Vador. Alors ça par contre j'ai pas regardé si c'était un allié, je suis en train de tirer dessus. Oh, on va lâcher toutes les armes. Oh, les apparitions, ils sont vraiment... Ah oui, c'est plus les apparitions de Halo 1, Halo 2, Halo 3, là, Halo... Là, vraiment, l'apparition, c'est une tortue et ça se transforme en méga truc. Quelqu'un peut me dire pourquoi on ne se sert pas de ces exosquelettes blindés pour leur botter le train? Je demanderai. Alors, on va avancer, hein, Ghost. Alors, ouais. Donc là, il y a des ghosts pour nos potes. Mais le ghost ne m'intéresse pas pour le moment. C'est pour les gosses. Faire des choses inutiles comme ça, c'est dans mon habitude. Bon allez, on va garder l'apparition, on va pas en sortir. Ah, vous voyez l'apparition. Et ouais, la deuxième réflexion, donc pour continuer sur Star Wars, je me suis fait un truc tout con. Halo date de 2002. Ça, on est d'accord là-dessus. Et j'ai regardé un truc assez fantastique. Vous regardez l'épisode 2, je crois, c'est l'attaque des clones. Et bah les clones, on dirait qu'ils ont des apparitions. Même si le film est sorti quasiment... Merde, pourquoi je suis sorti? Non, reviens, moi je veux... Bien reçu, Maki. Comment j'ai changé de position? Allez, on sort l'arbitre de là. Apparition ennemie, prête à combattre. On va éviter de se faire défoncer dès le début, c'est pas cool. Mais ouais, on aurait dit que sur Star Wars, il y avait des apparitions, que les véhicules Covenant, ils sont tirés à la base de Star Wars. Donc je m'étais jamais fait cette réflexion, mais c'est vrai que sur le coup, quand on regarde précisément, il y a pas mal de ressemblances. Bon après, ça n'empêche que le jeu n'a aucun rapport avec le film. Enfin, mis à part qu'ils ont le même objectif, hein, tout le monde veut devenir les rois du monde et de la galaxie. Ça par contre, c'est dans les jeux, dans les films, c'est leur habitude. Donc là on continue, j'aimerais bien détruire une apparition avant qu'il se barre. Ce serait cool, ça me ferait plaisir, juste pour la beauté du ghost. Non, il veut pas mourir. Allez, juste pour me faire plaisir. Bon bah tant pis, on verra pas d'apparition mourir, enfin de fantôme mourir pour le moment. Ok, je me suis bloqué. On va trouver une petite sortie, on va continuer à avancer. On continue tellement bien à avancer que je me paume tout seul. Donc le changement par rapport aux différents Halo, donc c'était apparu déjà dans le volet 4 et je crois sur Halo Reach, c'est que maintenant les énergies de nos vaisseaux, on a des petites barres, donc là si vous voyez, l'énergie, enfin là, pour le propulseur, il est sur la gauche de la mini-carte. Sur la gauche de la mini-carte, on a le propulseur nous indiquant le moment où on peut réutiliser les propulseurs pour aller clairement plus vite et rentrer dans les ennemis. On est en chemin là. L'éliminer. Je vous précise quand on sera prêt pour l'extraction. Ou on va tomber aussi, c'est
une possibilité à ne pas. Alors un autre apparition. Ouais, donc on voit vraiment la distinction entre les deux camps. Là on a accès sur plusieurs types de vaisseaux, hein. Enfin plusieurs types de vaisseaux, plusieurs types de camps. Comme on a vu déjà sur les différents types de Spartan, on avait les pélicans jaunes, donc sur la planète Téhéran, j'allais dire, mais bref, j'ai perdu la planète qu'on avait au tout début, la station Méridian, pardon, voilà. On avait des pélicans jaunes, là on a les apparitions donc rouges qui appartiennent, si je me trompe pas, à l'arbiteur, enfin aux troupes de l'arbiteur. Et les bleus, ça restera toujours les Covenants, hein. C'est comme ça qu'on pourra toujours les différencier. Oh wow, lui on l'a vu. Et il nous verra plus dans pas longtemps. Par contre j'ai pas vu son pote, c'est ça qui m'inquiète. Vu que les... Ouais, par contre là c'est un peu dangereux ce que tu fais. Merci Spartan. On va recharger tranquillement. Ok. On s'est fait avoir en traître. Oh, hop. Bon, on va garder l'apparition le plus longtemps possible. Hein. On va garder l'apparition le plus longtemps possible et on va les défoncer. Comme j'ai dit avant, on va le laisser tomber. Ouais, bah l'apparition, on va le laisser là. On va prendre notre méthode. Un peu plus bourrine. Ah bah y'en a un neuf. Je râle mais il y en a un tout neuf là. Tout neuf, tout beau, tout réparé. Voilà. Lui on va le rentrer chez lui. Lui aussi. Voilà. On va même utiliser nos moyens. Supersonique. Oh bah wow, toi tu vas. Voilà. Bon là, on l'a vu l'apparition, on l'a vu à côté en train de dévier. Que tu meurs toi. Ouais bah les forces de l'arbiteur elles vont attendre un petit peu là, on est en train de morfler juste au passage. Je sais que t'en as rien à foutre, mais moi j'en ai pas rien à foutre. Voilà, on s'est fait avoir comme une merde. Comme une grosse merde. Ah, toujours pareil, si je meurs trop je couperai et on reviendra sur l'épisode précédent. Enfin, l'épisode précédent, la partie précédente. Bon, on va garder en mémoire. On avait notre allié juste en bas. On change de poste et un coup de canon, tu pars, tu restes. Voilà. L'apparition à détruire en premier. Toi aussi. Un. Et lui il a pas l'air de vouloir tirer alors qu'il est à côté de moi. Tant mieux. Donc, mes alliés ont été assez intelligents pour récupérer l'autre apparition. Ça peut que être mieux. Parce que là ils font vraiment mal. Par contre. Hop, bon, on n'attend pas, on rentre dans Tenez-vous le palais. Prête, l'arbiteur n'est plus très loin. Je vous attends. L'arbiteur n'est plus très loin, j'aimerais même le retrouver assez on rapidement. À la salle du conseil. Entrez. Module d'insertion en approche. En avant, les modules, ils vont prendre cher. Oh putain, j'ai pris cher. Je continue à... Voilà, on le critique, mais derrière, c'est moi qui prends cher. Où est-ce qu'on va réapparaître? Ok. On récupère le vaisseau. Donc on détruit l'apparition dès que possible. Je suis allé trop vite pour rentrer dans le vaisseau que j'ai pas l'affichage tatoué. C'est pas grave, on a pas besoin. On n'a pas besoin de ça pour viser. Là j'ai ça de contrôler en apparition. Bon la salle des conseillers elle s'ouvre.
Maintenant, c'est un peu canardé. J'aimerais qu'elle s'ouvre assez rapidement. Ce serait cool. J'ai tué mon allié. Bon, bah, c'est pas grave. Elle va réapparaître. Les forces de l'arbitre sont en pleine déroute. Tant qu'il y a de temps pour s'éloigner dans la salle du conseil. On est en chemin, mec. Je vous ferai signe quand on sera prêt pour l'extraction. On va faire comme on peut pour le moment. Et j'aimerais franchement qu'elle s'ouvre la porte. Là, en train de morfler. Bon, j'ai un de mes potes qui est mort. On va apparaître assez vite. La porte s'ouvre. Voilà, la porte est ouverte. On a dit qu'on traçait direct. Voir l'arbitre. Il nous a dit qu'il nous attendait. Et bah, nous, on va aller le retrouver à notre manière. Module d'insertion en approche. En avant, Osiris. On se fait allumer, on trace, on continue à tracer, on n'a pas le temps. Maki, on a atteint la salle du conseil. Allez, on a atteint la salle du conseil, on va continuer. On va descendre, on voit les petites épées, on sera plus efficace à pied. Enfin, logiquement, on devrait être plus efficace à pied. Il est pas là. Là, des escaliers. Merde, c'est mes alliés. On y est presque, Maki. Tenez-vous prêts. Hop, on continue. On a vu Arbiter. Bon bah, il est vivant. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est là, l'Arbiter. Spartan Jensen Locke, UNSC. Le capitaine Lasky vous salue et vous remercie pour votre coopération. L'ONI, les hommes de l'ombre. Depuis quand les espions s'annoncent-ils, agent Locke ? Je suis un Spartan maintenant. Je sais qui vous êtes. Vous étiez un agent quand vous vous êtes porté volontaire pour m'exécuter. Je vous ai sauvé la vie aujourd'hui. Et à présent, vous traquez un autre Spartan, le plus illustre de votre clan. Laissez-le. Il ne nous trouvera jamais. C'est Cortana. Elle a trafiqué tous les appareils connectés du camp. Elle sait donc que le gardien est ici. Locke, c'est notre dernière chance. Vous avez l'arsenal pour nous faire entrer. Ce Nayon peut nous faire gagner cette guerre. Le gardien doit quitter Sangelios, que ce soit avec votre aide ou celle de Cortana. Peu m'importe. Docteur, Osiris va se déployer dans l'heure. Que votre plan soit prêt. Baissez vos armes, Osiris. Ce ne sont pas nos ennemis. Locke, j'ai préparé un briefing. Étant donné l'étendue des pouvoirs de Cortana, j'aimerais mieux ne pas en parler sur ce canal. Eh bien, nous allons nous arrêter là pour l'épisode 8, donc l'âme de Sangelios. On est resté sur une fin un peu tendue au niveau du gameplay, étant donné que je suis mort quand même pas mal de fois, que j'ai eu un peu de mal à percer, mais on y arrivait, on y allait comme un bourrin, on a pris une épée pour aller un peu plus vite, je m'attendais pas à ce que soit la fin aussi rapidement, mais bon, c'est pas grave, une fin reste une fin. La montrer que l'arbiteur ne veut pas forcément de notre présence, qu'il veut que le gardien soit le plus vite évacué, le plus vite possible, pardon,
de sa planète. Et lui, dans sa tête, hein, bien sûr, on se doute bien qu'il a envie de récupérer sa planète. Voilà, donc on va s'arrêter là pour le moment. On va se retrouver très très vite pour la suite. Et la mission 9, donc s'intitulant Alliance. Notre objectif reste le même, de découvrir donc le gardien et de le faire évacuer de la planète des Sangelios. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous fais des gros bisous les loulous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.